Salut les poussins, on est le 3 avril je crois et je suis trop contente parce que du coup j'ai reçu des petits trucs que je vais vous montrer après donc pour le vlog du mois d'avril. Si ça vous intéresse, je vous mets là pendant quelques minutes l'extrait de notre petit séjour, enfin notre petite journée à Disneyland avec Manon alias Date Quad Foster et Fiona. Je vous mettrai tout si vous voulez aller voir leur Instagram etc. aussi quelque part par là et en description. Et voilà, c'est un petit aperçu de cette journée qui était incroyable, donc j'espère que ça vous plaira et sinon on se retrouve après pour parler de ceci. On va chercher qui? Je sais pas moi, c'est ta pote. On va chercher qui? Je sais pas qui a des cheveux bleus là. Manon. Regardez qui est là. C'est quand je... Elle me filme quand je me plains. Exactement. C'est trop mignon. Ah bah bravo. Es-tu heureuse? Trop. En plus j'ai un vrai vernis à paillettes que je viens de foutre sur ma jupe et que du coup j'ai niqué ça. Comme ça. Ok. Je suis surexcitée. À tout. Est-ce que je suis excitée comme une Oui. Mais pourquoi tu ne le serais pas en même temps? Bah, c'est clair. Et en plus j'ai écrit Disney partout. Cette petite donc, vue là. Oh mon dieu. Une enfant. Oh c'est trop mignon. Moi je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Non, je veux pas y aller. Sans passer, je m'en passerai. Ça c'était rapide hein. Allez, bonne chance. C'est quoi ça? C'est Disney. Et ouais. Et ouais. Qui va à lundi à Disney? On va où? À Ratatouille. Je s'appelle Groot. Tu arrives au bon moment. So, he's the package. I guess so, Gamora. Groot, nous sommes suivis par des capteurs thermoplasmiques retract by thermoplasmic sensors. Yves, on applaudit très fort, Yves. Ouais, Yves. I need your help, my friend. Guys, that was not enough, that was pretty awesome, but we need more people. J'ai besoin de plus de monde. Bobby, Danny, come on. Oh, all right, guys. Come on, yes. Perfect. All right. Cool. Hello, my friend. Give me a best dance. Woo! Guys, are you guys ready to dance? Yeah! Okay. Alright, let's do this. Come on everyone, dance with me. Trop stylé genre avec Minnie dessus. Bah, ça part.
ta coque. T'as vu, j'avais pas fait gaffe. J'aime trop. Coucou Swan. Coucou. Coucou Fiona. Coucou Julien. Quel mec. Tu vois, ça déprime. Franchement, j'ai limite peur de lâcher mon téléphone. Il est trop taqué. Mais il y a tous les gens autour, ils font genre des mini tours et des larmes. C'est ça. J'ai peur. Ah mon Dieu, on est si haut. Bon, enfin, j'espère que ça vous a plu cette petite journée à Disney. Nous, en tout cas, on s'est éclaté, c'était super bien. Mais là, on reprend le boulot et du coup, j'ai reçu ce petit colis de Vistaprint parce que donc vendredi dernier, je me suis fait faire des petites cartes de visite. Donc, des petites cartes au coin arrondi parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Et là, j'en ai vraiment pas mal, donc c'est super cool. Vu que je vais me lancer un peu en freelance pour ce mois, vous me voyez pas du coup, c'est gênant, mais vu que je vais me lancer vraiment en freelance, essayer de me concentrer dessus ce mois, ben du coup, je me suis fait faire des petites cartes. Et j'avais peur qu'elles soient ratées, mais écoutez, elles me paraissent bien. Du coup, ça ressemble à ça, je vous ferai des plans aussi un peu plus sympas, donc avec mon logo, mon nom, et derrière, bah donc pareil, mon nom, mon activité, mon mail, mon numéro de téléphone, etc. Donc, et ben voilà, je suis super contente. Je trouve que c'est vraiment important de faire des cartes de visite. En final, on n'y pense pas assez, mais enfin moi en tout cas, j'y pensais pas assez. Mais c'est vrai qu'avoir 2-3 cartes toujours dans son sac, si imaginons il y a quelqu'un qui dit pendant une conversation comme ça ou au hasard, il faudrait que je refasse ça, machin, tu dis ah voilà ma carte. Donc voilà, je suis contente de vous partager ça. Bon, voilà les poussins pour les petites cartes. Sinon, bonne nouvelle du jour, j'ai mon boss, enfin mon ancien boss qui m'a validé un devis pour un logo dont il a besoin. Donc c'est un devis avec 3 logos à valider et s'il veut faire des modifications, c'est un peu plus cher. Donc voilà, je vais avoir ça à faire, je pense, pendant la semaine. Et du coup, je vous filmerai sûrement un peu le process. Et voilà. Ah, et j'ai aussi du coup réalisé tout à l'heure, là, entre 13h et là, 15h, cette petite illustration dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, je vous mettrai toutes les données ici. Salut les poussins, donc là on est le lendemain et je continue à bosser. Du coup on est le matin, il est 10h et je suis en train de préparer la vidéo de dimanche pour que les poussins Patreon puissent avoir le lien en avance pour voir la vidéo, donc voilà. Du coup bon, c'est le bordel sur mon bureau, mais j'ai bien sûr mon petit pain au chocolat, ma petite tablette, et je suis en train de bosser donc sur la miniature pour pouvoir finir d'exporter tout ça, que tout soit prêt, et je vais mettre en ligne pour que mes petits poussins Patreon puissent avoir la vidéo en exclusivité. Et dimanche, bah, vous aurez ceux qui n'ont pas spécialement Patreon, vous pourrez la voir le dimanche à 20h comme d'habitude. Les poussins, donc on est toujours le même jour et il est 17h13. J'ai un peu avancé sur la vidéo, je l'ai mis sur Patreon, j'ai avancé sur d'autres trucs dans des projets perso. J'ai mangé avec papa ce midi, donc c'était super cool parce que j'adore voir mon papa. En plus là il part en voyage pour quelques jours, donc voilà. Et sinon j'ai quasiment fini un projet perso sur lequel je bosse depuis longtemps, donc j'ai trop hâte d'avancer dessus et de finir et que ça sorte et tout, trop d'excitation, mais bref. Et trop d'excitation aussi parce que hier avec Nel on a commencé à planifier notre voyage pour Londres parce qu'on aimerait bien partir en vacances un petit peu au mois de mai. Bon, c'est là où tout le monde pose ses congés parce qu'il y a les jours fériés et tout, mais voilà, Nel il a pu poser des jours et moi ben j'ai rien à faire de spécial, donc voilà. Et du coup on a trop hâte, enfin moi en tout cas j'ai trop hâte.
Et du coup, je voulais aussi vous dire que demain, on allait aller à Multibureau à Gare de Lyon. Je sais pas si vous connaissez, c'était un peu comme le même système dans lequel... Enfin, c'était un multibureau où je travaillais avant. Donc, c'est un espace avec des bureaux ou des espaces de coworking pour les entreprises pour travailler, etc. Donc, la SNCF, ils organisaient en gros, on pouvait avoir une journée test gratuite. Donc, sachant que ça coûte assez cher les trucs comme ça et que moi, ça peut me permettre de rencontrer des gens, de travailler sérieusement dans un bureau pour une journée, etc. Sachant que j'aimerais bien après travailler dans une bibliothèque dans pas très loin de chez moi pour me forcer à travailler un peu tous les jours, mais bref. Du coup, je vous emmènerai avec moi demain. Bien. Oui. Est-ce que t'es content d'aller à Londres? Oui. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Bon, bah écoutez les gars, cette journée s'est avérée être très intéressante. Enfin, j'ai bien travaillé. Ils font apparemment des forfaits pour ceux qui sont sans freelance, enfin ceux qui n'ont pas des très gros budgets, qui viennent se lancer tout, donc à voir. Mais pas pour tout de suite. Salut les poussins, du coup là on est, je sais plus, samedi, je sais pas quelle date, ça sera écrit là. Et on va tester du coup avec Nel les balades de Feminist of Paris dont je vous avais parlé dans les vlogs du mois de mars. Et j'ai trop hâte parce que ça va être cool, c'est une sortie, une balade dans Paris, dans les quartiers de Pigalle, etc. sur le sexe et le féminisme. Donc ça va être super intéressant, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à regarder si ça peut vous intéresser, etc. Moi je trouve que le concept est super bien, donc voilà. On est déjà en retard, Bob Baker. Pourquoi on est nul? So Dalida is quite famous in the song in France, but especially like as a. Oh non. Bon, du coup, les poussins, on est revenus de la balade, c'était chouette. On a appris plein de trucs, n'est-ce pas, Naël? Oui. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à tenter l'expérience, ils font plein d'autres balades et tout. Donc voilà, c'était cool. Et je pense que je vais vous laisser parce que la vidéo, je vois, je suis en train de faire le montage, elle dure déjà beaucoup trop longtemps. Donc voilà. Au revoir, les poussins. Ah, je pensais que t'allais dire niquer vos mères. Ah, ça faisait longtemps. Pourquoi je lui donne des idées? Putain, moi les bonnes nuits, bisous.